Machine Head et Fear Factory étaient ensemble en tête d'affiche aux États-Unis, avec Chimera et Il Niño en première partie. C'était délirant là-bas. Très très cool. Mais un peu étrange tout de même, car la tournée a commencé une semaine après les événements du 11 septembre du World Trade Center. Il y avait une ambiance bizarre. C'était juste pour les États-Unis. La tournée s'est séparée pour l'Europe. On est venu avant Machine Head ici d'ailleurs. Big Show! Tu sais, il y a toujours eu un peu de bordel en backstage entre les groupes. Des petits problèmes d'organisation. Mais au bout du compte, le fait que les fans puissent voir tous ces groupes sur scène le même soir, c'est vraiment super. On vient de l'enfer. Mais non, on vient du paradis. Non, on vient des États-Unis. Mais il y a trois Sud-Américains dans le groupe, deux Dominicains et un Italien. Et nous vivons dans le New Jersey, près de New York. Aujourd'hui, les fans connaissent les titres du nouvel album, mais c'est vrai qu'au début, ils se contentaient d'écouter. Là, tu regardes la caméra et tu dis ce que tu veux. Yeah.
Si ça sonne original pour certains, merci. Si d'autres ne trouvent pas ça original, merci. Merci quand même, oui, parce que tout le monde est influencé dans la vie. Alors merci. What's up? This is Aru. And this is Robert. You know what? You say your name, say my name, and you say we're El Nino. And you're listening to it, and I'll say MCM. What's up? This is Aru. And this is Robert. Hi, I'm Dino. And I'm Burton. And we're from Fear Factory. And we're Machine Head. We are from El Nino. Check it out. You are watching MCM.